Tim Mithra-Ansel has come all the way from Australia to talk to us about dissecting HDMI and developing an open and FPGA-based capture hardware for sharing talks outside of the room. And he will be explaining how to dissect it, and I'm looking forward to hearing the talk in a second. So please give Tim a warm round of applause again. Thank you. Okay. Hi. Bonjour. I'm Tim. And in theory, if my slides change, you would see that. And I kind of have too many projects. And I'm going to be discussing one of them. This is another project that I gave a lightning talk on earlier. If you didn't see it, it's an ARM microcontroller that goes in your USB port. People wanted to know when to hack on it. Tomorrow at 2 p.m. apparently. So first I want to say is I'm a software developer. I'm not a hardware designer. I'm not an FPGA developer. I'm not a professional in any of that. I develop software full time. So this is my hobby. Donc c'est juste un hobby pour moi. As well, this information comes from a couple of projects that I started, but a lot of other people did the majority of the work, and I'm just telling you about it because they're too shy to come up and talk about themselves. A big thank you to all these people who helped me in various ways regarding this. And these slides, any of the blue things are links, so if you're playing along at home, you can... Vous le regardez à la maison, vous pouvez directement avoir l'URL et cliquer dessus. Ce sera plus facile. Alors, j'aurais peut-être oublié des gens sur cette liste, alors je suis vraiment désolé pour ça. Ce titre de cette conférence pourrait être les personnes qui font du logiciel essayent difficile, essayent le mieux possible de faire du hardware. Alors, vous allez pouvoir voir d'autres façons que j'aurais pu nommer cette conférence. Mais bon, voilà, il fallait un nom. Alors, un peu d'histoire. Comment est-ce que je me suis retrouvée à faire des choses sur le HDMI? Alors, Team Videos est un projet en groupe dans lequel on voulait rendre facile l'enregistrement de live stream, comme celui-là, par exemple, à cet événement. Mais on voulait le faire sans avoir toute une équipe en fait derrière qui font tout l'enregistrement. Alors ils sont tous très organisés et professionnels, mais on veut pouvoir le faire avec des gens qui n'ont pas du tout d'expérience en fait avec AV et le pouvoir le faire quand même en fait. Donc c'est comme ça que on enregistre une conférence normalement. Alors, je vais en parler un peu. Je vais parler de ces deux choses ici, HDMI to USB, qu'on a créé. Alors, il l'utilise avec notre configuration. Ça capture les slides. Et donc, HDMI to USB est un hardware pour capturer le HDMI. Ça a un peu d'histoire. Alors, avec le CSSC en particulier, parce que ça a été inspiré par un présentateur qui est venu ici. Benny a parlé de ça sur son MITM board, qui a parlé des attaques sur les HTTP Secured Links. Alors, ce talk elle est super compliqué et technique par rapport au mien, mais il y a beaucoup, beaucoup de détails et c'est très intéressant. Pour comprendre comment ça marche. Alors, le mien est beaucoup plus basique, beaucoup moins technique. Vous n'avez pas besoin de beaucoup d'expérience avec HDMI pour le comprendre. Alors, notre device marche comme le sien, sauf que le nôtre n'a pas été designé pour faire de la capture, le leur, pardon. Le mien a été fait pour ça, pour pouvoir avoir un projecteur entre le laptop du projecteur et avoir une capture en haute définition.
On utilise FPGA pour faire ça. Ça, c'est parce que ça fait des problèmes de hardware et software. Je préfère avoir des problèmes logiciels que hardware. Donc, la façon dont ça marche, c'est qu'on utilise une UVC webcam, comme Skype, Google Hangout, où on n'a pas besoin de driver. On peut faire ça sur Mac ou sur Linux. Sur Windows, par contre, on a besoin d'un quelque chose en plus pour utiliser le driver. C'est un peu bizarre, mais... Et on utilise aussi le CDC Serial Port pour pouvoir changer, pour savoir si, où est l'input et l'output. C'est un peu comme une métrique. Alors ça, c'est le hardware qu'on a designé. Il est open source. On peut le trouver sur GitHub et on peut télécharger tout ça. Je suis plutôt fier de ce que j'ai fait. Je trouve qu'il est pas mal. On n'utilise pas encore toutes les features, mais c'est plutôt pas mal. Et les gens l'utilisent. On l'utilise, par exemple, à plusieurs conférences. Quand on est en Australie, plusieurs choses en Australie, parce que comme j'ai dit, je suis australien. DevCon l'utilise aussi. C'est pas en Australie, mais il l'utilise aussi. Il l'utilise en Afrique du Sud, je crois, et pas mal d'autres gens autour du monde l'utilisent. Donc c'est vraiment cool. La raison principale pour laquelle je voulais que cette chose-là existe, c'est pour que d'autres gens l'utilisent, et l'utilisent en apprenant avec, et puis fixent les problèmes s'il y en a. Parce que il y a beaucoup de problèmes avec, bien sûr. Alors, c'est fait en Python. Ça a été utilisé pour cette conférence en Python. On utilise tous ces outils. Donc, vous pouvez voir mon talk directement qui a été fait et ça a été enregistré avec mon outil. Donc, vous pouvez aller le voir directement. Comme je dis, il y a quelques problèmes qui sont arrivés. Donc le premier problème, c'est que les gens utilisent toujours VGA, ce qui me rend un peu triste, parce que VGA n'est pas HDMI, ça a été inventé en 1987, et ça utilise un signal analogue. HDMI a une histoire un peu partagée avec VGA, on ne peut pas utiliser les mêmes techniques que les deux, mais alors pourquoi est-ce que les gens utilisent encore VGA, qui est aussi vieux et aussi mauvais ? Alors, on a développé une expansion board pour aider avec la capture. Et par développer, je veux dire que on a designé à partir de quelque chose qui existait, mais personne n'avait en fait fini le travail. Il y a aussi un autre problème. Donc, je veux faire tout ça en open source, comme je l'ai dit. Et HDMI, en fait, il dispose de pas mal de cœurs commerciaux pour le faire ça, mais il faut les acheter et on récupère pas le code source en général. Et si on n'a pas le code source, on peut pas le partager. Et je veux que ce soit open source aussi, parce qu'on veut que ça réponde aux problèmes que les gens ont quand ils branchent leur ordinateur portable et que ça ne marche pas. Et les codes commerciaux nous permettent pas en général de régler les problèmes par nous-mêmes. Donc on a fait une nouvelle implémentation. Pour ceux qui ont déjà fait ça, ça veut dire que vous avez des nouveaux bugs que j'ai essayé de montrer. Donc ce talk pourrait s'appeler débugger le HDMI plutôt que disséquer le HDMI, parce que ça inclut pas mal d'informations sur comment les choses se sont mal passées. Donc ça c'est l'introduction sur pourquoi je parle de ça. Maintenant, comment est-ce que HDMI fonctionne? Donc HDMI, c'est plutôt âgé en fait maintenant, ça a été créé en 2002. Et c'est basé sur la spécification de DVI qui a été créé en 1999. Donc DVI a maintenant 17 ans et il était créé pour remplacer VGA.
Et HDMI est rétrocompatible avec DVI, mais utilise un connecteur différent. Donc ce connecteur, vous l'avez probablement déjà tous vu. Si vous regardez bien, vous voyez qu'il y a 19 pattes, 19 connecteurs. Donc ça, c'est le connecteur 1. Et qu'est-ce que font tous ces connecteurs ? Donc il y a la masse, il y a l'alimentation. Ça vous donne 5 volts avec environ 50 mAh. Donc il y a pas grand, c'est pas grand chose. Vous pouvez pas faire grand chose avec ça. Ça peut être utilisé par un adaptateur, un convertisseur pour alimenter un microcontrôleur. Et il y a certaines cartes chinoises qui essayent de récupérer 1 ampère de ça. C'est pas une bonne idée. Il y a 3 paires pour transmettre des données avec une grande vitesse, et elles partagent une paire d'horloge. Et ensuite, il y a 5 connecteurs pour transmettre des données à basse vitesse. Donc voilà tous les pins sur le connecteur HDMI. Donc vous avez vu qu'il y avait beaucoup de choses différentes ici, et donc il y a besoin de connaître en fait plein de différents protocoles pour comprendre comment HDMI fonctionne. Donc il y a quelques protocoles à basse vitesse et quelques protocoles à haute vitesse. Je vais pas parler de tous ces protocoles parce qu'il y en a trop. Donc, je ne vais pas parler du protocole à basse vitesse CEC, et je ne vais pas parler non plus des protocoles auxiliaires à haute vitesse, ni de HDCP. Si vous voulez entendre parler de HDCP, regardez le talk de Bonnie. Je ne vais pas parler non plus d'Ethernet, mais ce dont je vais parler, c'est EDID et DDC. Le 8B10B pour encoder les données de pixels et les données de contrôle en 2B10B. Donc en fait, ce qu'il faut que je dise, c'est que c'est seulement DVI en fait ça. Donc je ne vais pas vous expliquer comment fonctionne HDMI, mais DVI en fait. Donc, en commençant par le protocole à bas débit, EDID ou DDC. Donc, les gens utilisent ces deux termes de manière un peu interchangeable. Je pense qu'ils le sont à peu près, à mon avis. Donc, ça, c'est quelque chose qui a été hérité de VGA. Ça a été ajouté à VGA en août 1994 pour avoir des moniteurs qu'on peut brancher et utiliser directement, plutôt que d'avoir à dire à votre carte graphique exactement quelle résolution le moniteur a et ce genre de choses. Ça utilise I2C et une petite EEPROM. Donc ça utilise ces connecteurs-là. 15, c'est l'horloge. 16, c'est le connecteur de données. Ensuite, ça utilise la masse, les 5 volts pour les PROM. Et ça utilise un peu le 19, parce que le 19 est utilisé pour détecter s'il y a quelque chose de branché. Donc, il utilise I2C. C'est un protocole à bas débit qui a une fréquence d'horloge de 100 ou 400 kHz en général. Techniquement, c'est pas exactement I2C, parce que il supporte uniquement les 100 kHz. Mais à peu près tout sur cette planète peut être utilisé à 400 kHz aussi. Et donc, je ne vais pas détailler ce que c'est et ce que fait I2C. L'EEPROM, c'est une EEPROM 24, de la série 24. Donc, ça utilise l'adresse I2C 50. Ça utilise 8 bits d'adresse, donc 256 octets de mémoire. Et la façon de communiquer avec ce genre d'EEPROM est très courante. Donc, je vous invite à regarder sur Internet, il y a plein de choses à voir. Donc, si vous avez une EEPROM, c'est probablement une EEPROM de série 24 séries. Donc, 256 octets, c'est assez petit.
Il y a aussi des EEPROM 16 bits, mais EDID ne supporte que les EEPROM 8 bits. Donc, il y a ensuite la structure de données, donc c'est un format binaire personnalisé. Wikipédia a une très bonne description, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. La chose importante à retenir, c'est la résolution, la fréquence et le format pour communiquer avec l'ordinateur. Donc c'est important parce que si vous envoyez le mauvais code pour décrire la résolution, la fréquence et le format, bah, vous n'arriverez pas à communiquer avec l'écran. Donc c'est là qu'il commence à y avoir des problèmes. Les présentateurs, en général, arrivent devant et sur la scène et leur première question, en général, c'est « qu'est-ce que je devrais utiliser comme résolution ?» Et ils ont une fenêtre comme ça, avec plein de résolutions différentes qu'ils peuvent sélectionner. Et même si le moniteur dit qu'il supporte plein de formats, en fait, ils mentent en général. Et en fait, les projecteurs mentent encore beaucoup plus que le reste des dispositifs d'affichage. Donc ça, c'est à quoi ressemble un mode qui est supporté. Et donc, moi, je m'intéresse à capturer les données. Donc je veux les données dans un format qui est pratique à capturer pour moi, et je veux pas avoir à zoomer sur les images et le texte parce qu'en général c'est moche et ouais c'est complètement pixelisé et ça rend le texte complètement illisible. Et les présentateurs sont connus, notamment dans les conférences techniques, pour utiliser des polices vraiment petites. Donc, la façon dont on règle le problème, c'est qu'on émule notre propre EEPROM dans le FPGA et on fournit notre propre interface EDID. Et donc, on présente la résolution qu'il faut utiliser. Et donc, vous pouvez voir que ça résout le problème de choisir la résolution. Donc, si vous n'avez qu'une solution, c'est difficile de choisir la mauvaise. Non, en fait, on n'a pas résolu le problème. Donc, on a enregistré PyCon Australie et on s'est rendu compte que certains ordinateurs Mac ne voulaient pas fonctionner. Et pour comprendre la cause, il faut savoir comment les ordinateurs fonctionnent. Donc il y a deux fréquences principales, 50 Hz et 60 Hz. En gros, 50 Hz, c'est le reste du monde et 60 Hz, c'est les États-Unis. Donc en Australie, on a 50 Hz. Donc on pensait que le laptop faisait 50 Hz. Et puis tout est mondial de nos jours. Donc pourquoi je pourrais pas prendre acheter une alimentation aux États-Unis pour un truc en Australie ou l'inverse? Ça devrait marcher, non? Ah bah non. Donc on a résolu le problème en faisant comme si on était américain et en supportant 60 images par seconde au lieu de 50. Donc c'est un peu comme un écran avec un accent américain. On a déployé cette solution le vendredi et le samedi on n'avait plus de problème. Donc ça c'est l'avantage d'une solution open source. Aujourd'hui, on fait les deux, on fait 60 et 50, parce que bah, pour capturer l'enregistrement à 50, ça fait parler beaucoup plus vite que ce que je suis en train de faire. Alors c'est vraiment bizarre. Il y a 120 bytes et c'est vraiment difficile. Et la première chose qu'on se dit, pourquoi est-ce que ce laptop ne pourrait pas parler avec ce projecteur? Alors, la première qui le trouve aura un trophée. Alors, pour essayer de se rendre compte de pourquoi est-ce que ça fait ça, alors on a créé EDID.tv. C'est un projet fait avec Django et Bootstrap.
et on peut l'utiliser directement depuis sur mon laptop. J'aurais beaucoup aimé pouvoir aider à ce qu'il devienne meilleur. Il n'y a pas eu beaucoup de gens qui s'y sont intéressés depuis, donc si vous êtes intéressés, allez voir. Ce serait bien si on pouvait avoir une database ouverte de toutes ces choses-là. Je pourrais en faire une, mais j'aimerais beaucoup en avoir une ouverte, alors allez voir ça. On n'a peut-être pas besoin de toute cette solution de capture, peut-être qu'on a juste besoin de refaire le EDID. Alors, le C3VOC a fait une version qui refait ce VGA. Alors, j'ai travaillé avec eux pour HDMI. Ça utilise un microprocesseur qui fait semblant d'être ça. Et DisplayPort n'est pas non plus HDMI, je voudrais dire que vous le sachiez. Ils ont un channel auxiliaire comme EDID et CEC pour décoder, et c'est ça qu'ils utilisent au CCC, ils en ont 15. Si vous êtes intéressé par ça, alors venez me voir, parce qu'on aimerait beaucoup, beaucoup faire ça, quelque chose de similaire que ce qu'ils font ici, mais pour le nôtre. Alors ça, c'était pour parler de quand c'est plus lent. À vitesse plus lente. Alors, maintenant, je voudrais parler de vitesse plus rapide. Alors, tous les pixels qu'il y a sur votre écran sont juste trois couleurs avec sur le standard DVI, rouge, vert et bleu, et chacun est juste sur une taille. Chacun est mappé sur des channels, sur des chaînes. Et donc, on peut voir ici rouge, vert et bleu. On peut les voir directement sur les pins. Chacun a une paire, donc on peut voir le plus et le moins. Ils utilisent des différentes paires pour pouvoir réduire le bruit sur ces vitesses-là. Et ils essayent de réduire le bruit, en fait, sur la capture. Et c'est là où ça devient différent sur toutes les parts de ce... C'est ce code qu'on utilise, en fait, sur les high-speed data. Tous ces channels partagent une clock. On appelle ça la pixel clock. Et chacun de ces canaux est un canal de série. Et ils transmettent des informations à 10 bits. Et tous les 10 bits, donc chaque cycle de la clock, est transmis sur chacun de ces canaux. Donc il y a une clock partagée, bien sûr. Chaque canal tourne 10 fois par canal. Et c'est comme ça que le système, c'est à ça qu'il ressemble. Donc vous pouvez voir qu'il y a le channel bleu ici. Il y a 8 bits qui sont dessus. Ça s'est converti ensuite aux 10 bits. Donc on va renvoyer. Et ça va par le câble. Et là, c'est décodé du coup de l'autre côté. Donc, la question est pourquoi, comment on fait pour encoder, à quoi ça ressemble quand on va de 8 à 10? Alors, comment on comprend ça? On peut voir avec ce diagramme ici. Donc, c'est un petit peu petit, alors je vais le mettre plus gros, voilà. Ah, donc c'est à ça qui ressemble, voilà. Hein, quoi? Et donc, ce diagramme, comme vous pouvez voir, j'ai passé des heures à le regarder et c'est vraiment compliqué à le comprendre et à le décoder. C'est vraiment compliqué à comprendre. Et en fait, le protocole pour encoder est en fait assez simple. En fait, c'est trois différentes étapes. Alors, je vais vous expliquer comment on encode et décode. Ce diagramme, c'est vraiment juste pour l'encodeur. Et ils ont quelque chose. Ils ont la même chose pour décoder et c'est vraiment super dur à lire. Alors, les trois étapes. La première, ça va être contrôler ou alors pixeler. Et ensuite, on va soit encoder le contrôle ou alors encoder le pixel. Donc, le point important, on va d'abord aller
sur ça d'abord, l'information qui est rentrée est de toute façon convertie en des symboles sur 10 bits. Donc l'information va toujours sur des symboles sur 10 bits. C'est décodé en pixels et on en a parlé. Alors, on a besoin de garder cette balance. Alors, la question est pourquoi 10 bits au final, alors que pixel c'est 8 bits. Alors, je vais vous en expliquer pourquoi est-ce qu'on utilise le pixel data. Mais en tout cas, garde en tête que je transfère toujours 10 bits. Pour garder une balance du DC, quand on a beaucoup de 1 et 0 à la suite, c'est pas bien. Il y a beaucoup de raisons pour ça et je veux voir ça comme HDMI. Au final, c'est pas vraiment couplé assez. C'est pas vraiment pour restaurer la cloque. On a la cloque pair. Il y a beaucoup de gens sur Internet qui disent que la raison pour laquelle on va garder cette balance à cause des cloques, mais non, c'est pas le cas. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quand on a une déviation de DC? Donc, un symbole qui a beaucoup de 1 ou beaucoup de 0, c'est un symbole qu'on va considérer comme ayant une déviation de DC, s'il a plus de 1 que de 0. Donc, ça ressemble à ça. Ce symbole-là a beaucoup de 1, et donc, après tous ces 1, on peut voir qu'il a un biais qui est positif. Si c'était l'inverse et qu'il avait beaucoup de 0, on verrait qu'il aurait un biais négatif, un biais DC négatif. Et quand on a trop de biais DC au fil du temps, ça cause des problèmes. Donc ça, c'est deux choses qu'on doit garder à l'esprit pour le reste de l'explication. Donc, première chose qu'on va déterminer, est-ce qu'on transmet des données de contrôle ou des données de pixels? Il s'avère que à l'intérieur d'un écran, on transmet quelque chose qui est plus gros que ce qu'on voit. Donc ça, c'est pas à l'échelle. La marge réservée pour les données de contrôle est bien plus petite. Donc, là, les données de contrôle sont en orange, les données de pixels sont en rose, violet. Alors, pourquoi c'est comme ça? Ça existe à cause des vieux écrans CRT. Pour ceux d'entre vous qui sont nés après les écrans CRT, ça ressemble à ça. Et ils marchent en ayant un faisceau d'électrons qui scanne sur l'écran et qui fait briller le phosphore. Ce faisceau ne peut pas juste revenir de l'autre côté de l'écran d'un seul coup ou remonter tout en haut de l'écran d'un seul coup. Et donc, ces périodes pendant lesquelles on transmet des données de contrôle, c'était pour permettre à ce faisceau d'électrons de retourner à l'endroit où il doit commencer à transmettre le prochain set de données. Et donc, c'est pour ça que ça existe. Pourquoi c'est important? Parce que les systèmes d'encodage du contrôle pour le contrôle et pour le pixel sont assez différents. Donc voilà la différence principale, et je vais revenir à ce slide un peu plus tard. Mais ce qui est important à voir ici, c'est que même si les systèmes d'encodage sont différents, la sortie est toujours de 10 bits. Donc ça, c'est la première étape, choisir si c'est des données de pixels ou des données de contrôle. Et ça, c'est décrit par ce morceau du diagramme. C'est même d'ailleurs la première chose dans le diagramme. Donc, comment est-ce qu'on convertit des données de contrôle vers des symboles de contrôle? Alors, d'abord, il faut voir ce qu'il y a dans les données de contrôle. Il y a deux bits, le sync horizontal et le sync vertical, c'est-à-dire donc H-sync et V-sync, et ils fournissent les données de synchronisation horizontale et verticale. Ça, c'est un truc qui nous reste de VGA. On n'en a plus besoin dans HDMI ou dans DVI pour savoir où sont les bords de l'écran. Parce que maintenant, on peut déterminer la différence entre contrôle et pixel.
données contrôlées de données de pixels, mais ça existe toujours pour des raisons de rétrocompatibilité. Donc ça veut dire que on a des données de contrôle, on doit convertir 2 bits de données vers 10 bits de symboles, enfin des symboles de 10 bits. Alors comment? Ben, tout simplement, ils ont choisi à l'avance 4 symboles qui seraient envoyés sur le système de, qui seraient les symboles de contrôle qu'on pourrait envoyer. Voilà les 4 symboles. Ils ont été choisis pour être équilibrés sur le plan DC. Ils ont à peu près le même nombre de 1 et 0. Donc on n'a pas besoin de s'inquiéter du biais DC sur les symboles de contrôle. Ils sont choisis aussi pour avoir 7 ou plus, 7 transitions ou plus entre 0 et 1. Ce nombre de transitions, c'est utilisé pour comprendre la relation, les relations des phases des différents canaux. Si vous vous rappelez, on a un câble qui va du transmetteur au receveur. Et c'est bien sûr des signaux à très haute vitesse qui sont transmis. Et même si le transmetteur transmettait tout à la même vitesse, le câble n'est pas parfait et il pourrait retarder quelques-uns de ces symboles et quelques bits sur un canal un petit peu plus que sur un autre. Et donc, en ayant ces transmissions, on peut trouver le décalage de phase entre chacun des canaux. Et c'est comme ça. Et c'est pour ça qu'on a sur ces symboles de contrôle un nombre déterminé de transitions. On va en reparler un peu plus tard quand on parlera d'implémentation. Alors, ce morceau du diagramme, ça contrôle l'encodage. C'est à propos de l'encodage des données de contrôle. Parlons maintenant des données de pixels. Donc à nouveau, en DVI, un pixel, c'est 8 bits. Et le système d'encodage est décrit, grosso modo, par tout le reste du diagramme. Mais en vrai, il est très simple. Ce système d'encodage s'appelle du 8B10B, parce que ça prend 8 bits et ça le convertit en 10 bits. Mais il y a quelque chose d'important. IBM a aussi inventé un système 8B10B qui est utilisé dans d'autres choses, dans DisplayPort, dans SATA, dans plein d'autres trucs, mais ce n'est pas ce système. Et vous pouvez perdre énormément de temps à essayer de comprendre la relation entre ce diagramme et le système d'encodage d'IBM. Et vous perdrez votre temps parce que c'est pas le même chose. C'est pas la même chose. C'est un système d'encodage complètement différent. Donc, encoder les données de pixels, c'est un processus en deux étapes. J'ai dit qu'il y en avait à peu près 3. La première étape, c'est qu'on veut réduire le nombre de transitions dans les données. Alors, comment on fait ça? Pourquoi on fait ça? Parce que, à nouveau, c'est des canaux à très haute vitesse. Donc, on veut limiter le nombre limiter le volume de crosstalk entre les canaux. Si on fait ça, on peut réduire la probabilité que le signal se propage d'un canal à un autre. Et comment on fait ça? On va choisir un de deux encodages, soit un encodage à base de XOR, soit un encodage à base de XNOR, c'est-à-dire de OU exclusif ou de OU exclusif négatif. Alors comment on fait ça? C'est facile, le premier bit encodé, c'est le premier bit. Le deuxième bit encodé, c'est le premier bit XOR. Le deuxième bit encodé, c'est le deuxième bit XOR, le premier bit encodé, etc., etc. Pour le XNOR encoding, l'encodage à base de XNOR, c'est la même chose, mais tous les XOR sont remplacés par des XNOR. Alors, comment est-ce qu'on choisit lequel des deux on va utiliser? Si en entrée, on a moins de 4-1, on utilise XOR. S'il a plus de 4-1, on utilise XNOR. Et si c'est égal, il y a une façon de résoudre ça. Ce qui est important, c'est que cette méthode est déterminée par les données qu'on processe. Il n'y a pas d'état, il n'y a pas de règle implicite. Chaque pixel a une relation
un morphisme 1 à 1 à sa forme encodée. Donc, après ça, on ajoute un bit qui indique si on a utilisé du XOR ou du XNOR. Donc, maintenant, ça nous donne 8 bits d'entrée vers 9 bits de données encodées. On a une séquence de données qui est encodée sur 8 bits, et ensuite un 9e bit qui indique si on utilisait XOR ou XNOR. Voilà, c'est tout. Donc, cet encodage est très très bon pour réduire le nombre de transitions. En moyenne, on avait globalement 8 transitions avant. Maintenant, on a globalement 3. En moyenne. Alors, j'ai aucune idée de comment ils ont trouvé ça. Je pense qu'il y a un mathématicien très intelligent qui a trouvé le truc. Parce que cette découverte, ça me dépasse complètement. Et ça, ça décrit la partie du haut de ce diagramme. Et c'est maintenant qu'on entre dans le TMDS, Transition Minimized Differential Signaling, les signaux différentiels à transition minimum. L'idée ici, c'est qu'on doit garder notre canal DC balanced, d'avoir la balance de DC. Alors, comment faire ça? Il faut réaliser que tous les pixels n'ont pas forcément une promesse qu'ils auront un biais DC de zéro. Donc, comment on fait ça? On garde le compte de notre biais. Et si on a un biais DC qui est positif et que le symbole est aussi biaisé en DC, on l'inverse. Ou si notre biais DC sur le canal est négatif et que le symbole qu'on va envoyer a aussi un biais négatif, on l'inverse. Et pourquoi on fait ça? Tout simplement parce que quand on inverse un symbole, ça inverse le biais DC. C'est-à-dire qu'un biais DC négatif devient maintenant un biais DC positif. Donc, comme on l'a dit, on a choisi, si on avait déjà un biais négatif et qu'on a un symbole négatif, on l'inverse, ce qui c'est-à-dire qu'on va maintenant faire augmenter notre biais DC vers zéro. On va peut-être dépasser un petit peu, mais du coup, la prochaine étape va le faire osciller, et en moyenne, au fil du temps, on garde un biais moyen de zéro. Et donc, pour indiquer si, oui ou non, on a inversé le symbole, ou si on l'a gardé tel quel, eh bien, on ajoute un nouveau bit à la fin. Et c'est comme ça qu'on arrive à notre encodage sur 10 bits. On a 8 bits de données encodées sous forme de symbole, un bit qui indique si on a utilisé un encodage XOR ou XNOR, et un bit qui indique si on a inverser le symbole. Et ça décrit la partie du bas de ce diagramme. Maintenant, vous pouvez voir, en gros, pourquoi ce diagramme est difficile à comprendre. Je pense qu'il est assez logique. Peut-être que c'est utile pour faire une implémentation hardware, si vous comprenez déjà le protocole, mais je pense pas que ce soit un très bon diagramme pour les gens qui essayent de comprendre ce qui se passe. Et donc, vous voyez que c'est plutôt simple, en fait. Donc, en résumé, ça, c'est l'information intéressante à propos des deux schémas d'encodage. Et puisqu'on minimise le nombre de transitions dans les données pixels, on peut reconnaître les données pixels, les données, en regardant combien il y a de transitions dans le signal. Donc, s'il y a plus que 6 transitions, ça doit être un signal de contrôle. S'il y en a moins, ça doit être un signal de pixel. Donc, maintenant, vous savez comment encoder des données TDMS et comment les décoder. Parce que si vous voulez décoder, vous faites juste l'inverse, le processus inverse. Félicitations. Et maintenant, comment on fait ça en vrai? On peut juste écrire la logique et le petit compteur qui compte tout ce qu'il faut directement dans le FPGA. Donc je vais pas l'expliquer ici parce que j'ai pas beaucoup le temps, mais si vous suivez le processus que je vous ai décrit, ça devrait être assez facile. Donc ça, c'est ce qu'on utilise maintenant.
Mais on pourrait utiliser une table de lookup qui convertirait des données sur 8 bits en données sur 10 bits. Donc les FPGA sont très efficaces pour utiliser des tables de lookup. Et on peut utiliser ce système pour étendre à d'autres protocoles comme 4B et 10B qui est utilisé pour les données auxiliaires. Ça utilise un peu plus de ressources, mais c'est plus puissant. Donc ça, c'est ce à quoi votre encodeur et votre décodeur ressembleront. Donc vous prenez vos 10 bits de données et ça vous sort soit les 8 bits de pixels, soit les 2 bits de données et le type de données. Si vous regardez dans notre design et que vous regardez à haut niveau, vous devriez voir quelque chose qui ressemble à ça. Ensuite, pour l'encodeur, vous avez en plus ce compteur pour le biais d'essai. Mais c'est assez simple. Et donc maintenant, ça s'étend aux données auxiliaires ou si vous avez des erreurs. Donc il y a 124 symboles que vous pouvez avoir en 10 bits. 1024. Et ils ne sont pas tous valides. Et en fait, il faut faire attention parce que les choses se passent assez rapidement quand on multiplie la fréquence d'horloge par 10. Donc, quand on prend l'horloge à 25 MHz, on se retrouve avec un débit de 250 mégabits par seconde. Si on prend du 720p, c'est 750 mégabits par seconde et 1080p, c'est 1500 bits par seconde. Les FPGA sont rapides, mais ils ne sont pas non plus si rapides dans la gamme que moi je peux me permettre d'acheter. Mais en fait, on peut tricher un peu. Donc l'idée, c'est qu'ils transforment des données parallèles en données série. Donc, vous lui donnez vos données TDMS en parallèle et ils vous les convertissent en données série. Donc, il faut un peu jouer avec. Donc, le plus simple, c'est de trouver quelqu'un qui a déjà fait ça sur votre type de FPGA. Mike Hamsterfield a fait une très bonne documentation pour faire ça dans le Spartan 6. C'est lié au FPGA, donc si vous avez des FPGA différents, ça va avoir des schémas différents pour le commander. Et donc, souvenez-vous que j'ai dit que notre système avait une console série. Parce que, vu qu'on a ce système, on peut aller chercher assez profondément dans ce qui se passe dans le système. Et donc là, je vous montre les instructions de debugging d'un de nos systèmes. Et donc vous pouvez voir ici, la première chose, c'est la relation de phase entre les différents canaux. La suivante, c'est est-ce qu'on a des données valides? Et ensuite, on garde le débit d'erreur pour ce canal. Est-ce que les canaux sont synchronisés ou pas et des informations de résolution. Donc vous voyez que il y a une horloge pixel de 74 MHz ici. Donc là on a les canaux rouge, vert et bleu. Donc ça nous donne des capacités de debug assez intéressantes. Si vous branchez un câble et vous avez des erreurs sur le canal bleu, mais pas sur les autres, c'est probable qu'il y a quelque chose de qu'il y a un problème avec ce câble. Donc c'est un outil très très puissant qui permet de savoir ce qui fonctionne mal. Et c'est quelque chose que vous pouvez pas vraiment avoir avec les périphériques commerciaux. Mais qu'est-ce qu'il en est des erreurs? Donc ce dont je vais parler maintenant, c'est plutôt expérimental. On n'a pas vraiment encore implémenté tout ça. Mais c'est des choses qu'on veut faire.
parce que maintenant on a complètement le contrôle de notre décodeur. Donc il y a 1024 symboles possibles, dans lesquels il y a 460 symboles valides pour les pixels, 4 pour les données de contrôle, et 560 symboles ne devraient jamais être utilisés. Donc ça, c'est à peu près 56% de notre espace qui ne devrait jamais être utilisé. Mais en fait, c'est encore mieux que ça, parce que avec le biais d'essai qu'on a, les 256 symboles valides pour les pixels, à un moment donné, si vous avez un biais d'essai négatif, par exemple, vous pouvez pas avoir un symbole qui rendrait ce biais encore plus négatif. Donc en fait, il y a en fait 74% de notre espace de paramètres qui peut exister, qui ne peut pas exister à un moment donné. Donc ça veut dire que les symboles invalides sont souvent proches d'un symbole valide, et donc on peut corriger ces erreurs. Et donc on peut dire, par exemple, ce symbole invalide, en fait, ça aurait dû être celui-là. Ça devrait être un bit d'erreur par rapport à ce symbole. Et donc ça, c'est pas mal, parce que on peut corriger à peu près 70% des erreurs où il y a un bit qui a été inversé. Mais il y en a qu'on peut pas corriger. Mais on peut détecter qu'on a eu des données pixels invalides. Et le fait qu'il y a une erreur ici, c'est important. Dans ce cas-là, on a deux pixels qui sont bons. On a un pixel dont on sait qu'il est valide. Et ensuite, on a à nouveau deux pixels qui sont corrects. Et donc, on peut imaginer que ça, c'est le canal bleu. Donc, les deux premiers sont pas très bleus. Ensuite, la valeur décodée est très claire. Et donc, ça a l'air très moche. Donc, ça, c'est probablement un bloc complètement bleu. Et donc, une différence d'un pixel comme ça, c'est probablement pas une valeur valide, et donc on peut la recouvrir. Donc, on prend les pixels de chaque côté, on fait la moyenne, et on met ça au milieu. Donc ça nous permet de corriger encore plus d'erreurs. Et quand on veut prendre ces données et les envoyer dans un encodeur JPEG, en fait, ça correspond pas vraiment à la qualité de la sortie. Et ça nous permet de corriger ce qui serait autrement des erreurs vraiment visibles dans la sortie. Et donc, voilà comment on fait du décodage TDMS et comment on corrige quelques erreurs. Et en fait, on peut faire encore mieux, parce que c'est un projet open source, et peut-être que vous avez des idées de comment on pourrait améliorer ça, comment on pourrait améliorer la performance, comment on pourrait faire du décodage TDMS sur un périphérique qui utilise moins de puissance que ce qu'on a. C'est open source, vous pouvez regarder le code. Vous pouvez l'améliorer. Et on aimerait beaucoup que vous le fassiez. Donc, ce qu'il y a, c'est que j'ai beaucoup de hardware, mais pas beaucoup de temps. Mais si vous avez beaucoup de temps et pas beaucoup de hardware, je pense que je peux vous aider. Donc, ça, ce sont des liens vers le projet HDMI to USB. Et le code et le hardware sont sur GitHub, sous des licences open source. Et là, il y a quelques captures d'écran en bonus. Donc là, vous pouvez voir les quelques erreurs. Ça, c'était une erreur un peu plus grosse. Et donc ça, c'est ce qui se passe quand votre mémoire DDR est un peu cassée. Ouais. Mais bon. Et voilà, ça c'est ma présentation. Excellent, thank you very much, Mirtho. And
Comme vous avez remarqué, on a des micros tout autour de la room. Donc si vous avez des questions, mettez-vous derrière les micros et je vais vous laisser poser les questions. On a une question sur Internet peut-être? Oui, merci. Alors, est-ce que vous savez si les moniteurs normaux autorisent ça? Donc, je ne connais pas d'implémentation commerciale qui fait de la correction d'erreur d'aucun type. La solution pour les commerciaux, c'est de faire en sorte de ne pas avoir d'erreur. Ils peuvent faire ça parce qu'ils n'ont pas besoin de s'occuper des présentateurs furieux parce que leur présentation ne marche pas. Et probablement qu'ils utilisent aussi du hardware de meilleure qualité que ce qu'on utilise. Nous, on essaye d'utiliser des matériaux qui coûtent le moins cher possible. On essaie de pousser les frontières de pas mal des périphériques qu'on utilise. Alors, on a beaucoup de questions. Alors, s'il vous plaît, pas de commentaires, que des questions. Micro numéro 1. Alors, il pose la question en langage des signes, donc je ne vais pas pouvoir vous traduire la question. Yes. Sorry, I don't quite understand what's going on. Désolé, je ne comprends pas ce qui se passe. Alors, est-ce qu'on a quelqu'un qui peut nous traduire peut-être? Alors, problème de son peut-être. Quelqu'un est en train de souffler la question. Alors, je serai après, je serai là après si vous voulez qu'on en discute. Peut-être. Alors, on fera peut-être. On va peut-être faire ça sur l'ordinateur plus tard. Alors, une autre question peut-être. Alors, l'autre micro, s'il vous plaît. Oui, oui, bonjour. Est-ce que vous pouvez savoir la qualité d'un câble HDMI? Est-ce que vous pouvez voir s'il y a des problèmes sur la cloque, par exemple? Oui, on peut. Donc, la qualité d'un câble HDMI, ça devrait être zéro erreur. Donc, tout ce qui a plus que 0 bit d'erreur, ben, il faudrait l'enlever. Donc, ça, c'est intéressant quand vous avez des câbles très longs. On peut effectivement voir que plus le câble est long, plus c'est difficile de garder zéro erreur. Et donc, oui, on peut juger de la qualité d'un câble. Mais c'est aussi difficile parce que ça dépend de ce que l'émetteur fait. Si l'émetteur est de mauvaise qualité et que le câble est de mauvaise qualité, vous pourriez avoir des erreurs. Mais si l'émetteur est de haute qualité et le câble de mauvaise qualité, alors ça pourrait s'annuler et donner un résultat correct. Donc on ne peut pas juste dire que ça c'est un bon câble parce qu'on n'a pas vraiment de contrôle sur comment est notre émetteur, à quel point il est bon et à quel point il est ce périphérique est. Donc si on pouvait voir pour dégrader le signal jusqu'à ce que ça casse, si quelqu'un veut faire ça, j'adorerais aider. Your hardware, the HDMI to USB hardware, is it available for simply ordering or has it to be soldered by hand or? You cannot solder this board by hand. Donc vous pouvez pas souder cette carte à la main à moins d'être vraiment meilleur que moi. Ça utilise du FPGA avec des très petits composants. On travaille avec un fabricant en Inde qui fait ça pour nous. On travaille avec eux. On a travaillé avec eux et c'était vraiment bien. Et donc on travaille sur une nouvelle version du hardware. J'ai beaucoup de hardware FPGA ici que vous pouvez venir voir. Je vais probablement le bouger dans le couloir après. Et à nouveau, si le hardware vous intéresse et vous avez des cas d'usage, parlez-moi. Parce que j'aime bien régler les problèmes des gens qui n'ont pas de hardware. Et
et je peux utiliser ce que j'ai en ma possession pour aider les gens à faire de l'open source. On peut encore avoir 4 autres questions. L'autre micro, s'il vous plaît. Est-ce que vous pensez que ce serait possible qu'on récupère 120p de sortie? Oui, ça serait possible. Mais ça voudrait dire qu'il faut qu'on fasse un travail assez dur qu'on n'a pas eu encore le temps de faire. Et pour nous, 720p à 60 images par seconde, c'est suffisant. Et l'USB, la connexion USB est limitée en bande passante parce que on n'a pas d'encodeur H264, on n'a que du MJPEG. Si quelqu'un veut nous écrire un encodeur WebM, par exemple, open source, au lieu de H264, ça pourrait commencer à devenir plus intéressant. On a aussi de l'Ethernet Gigabit sur cette carte. Ça devrait être assez facile de récupérer les données depuis l'Ethernet. J'aimerais bien un peu d'aide. L'Ethernet fonctionne, on arrive à communiquer avec la carte. On a juste besoin de quelqu'un qui connecte les données, en fait. On se sert de l'Ethernet pour faire du debug. Et Mike Hamsterfield, un grand merci à lui. Il est génial comme designer. Il a fabriqué du 1080p 60. C'est un peu au-delà de la spécification, mais ça marche sur du hardware qui ressemble au nôtre. Et il a aussi fait le DisplayPort, donc un DisplayPort 4K. Qu'est-ce qu'on peut faire sur nos cartes à nous? Si vous avez besoin que d'une ou deux, que d'un ou deux connecteurs DisplayPort, c'est possible de le faire. Donc je pense que c'est possible, mais encore une fois, open source, je suis bénévole, on a besoin de développeurs. Alors, on va prendre encore une question sur Internet. Oui, merci. Est-ce que vous avez déjà considéré faire du JPEG 2000? Non, je ne l'ai pas fait. Parce que la raison principale, c'est de faire de la webcam. Je veux utiliser le standard UVC qui est le standard pour les webcams et il supporte pas JPEG 2000. Il n'y a pas de raison en fait qu'on pourrait pas le faire, qu'on pourrait pas supporter JPEG 2000. On pourrait corriger le driver Linux pour supporter le JPEG 2000. Mais je suis pas convaincu qu'il y ait une bonne implémentation open source de JPEG 2000 pour FPGA. Donc il y a ce genre de problème bloquant. Mais si ça vous intéresse d'aider, venez me parler. Et comme je l'ai dit, j'aimerais beaucoup vous parler et résoudre les problèmes que vous avez. Donc pour faire fonctionner le tout. Et aussi, on a des t-shirts, donc je vous le montre. Et j'enverrai à tout contributeur un t-shirt. Donc ça peut être corriger le site web, écrire de la documentation, aider les gens sur IRC à commencer. Vous n'avez pas besoin d'être un expert en FPGA pour aider. Et on travaille aussi un petit projet pour essayer de faire tourner MicroPython sur FPGA. Si vous aimez Python et que vous connaissez MicroPython, j'aimerais beaucoup vous aider à faire ça. On a juste besoin de support. D'autres questions, s'il vous plaît. Alors, est-ce qu'il y a un processeur dédié dessus ou est-ce que vous utilisez autre chose dessus? Donc j'utilise un soft core open source. On peut choisir lequel on utilise. Donc avec un drapeau en ligne de commande, on utilise soit le Lattice Micro 32 qui est fourni par Lattice Semiconductor. On peut utiliser le OpenRISC ou le RISC 5. D'habitude, on prend le LM32. Parce que c'est le plus performant pour le moins par rapport aux ressources FPGA.
Mais si vous aimez RISC-V ou OpenRISC-1K, ben, par exemple, si vous voulez utiliser Linux dessus, vous pourriez le faire. Donc avec une commande, une seule ligne de commande. Et on va essayer de rajouter un support de JCO. Donc JCO, c'est assez gros comparé à LM32. Donc ça passera probablement pas sur les petits FPGA. Donc qu'est-ce que vous avez comme FPGA? La réponse, c'est un Spartan 6. Et donc on va avoir sur le nouveau projet un Artex 7. Donc j'ai aussi travaillé avec Bunny's RTV2. Il est aussi très intéressant, il fait des trucs cool. Il a plus ou moins inspiré tout ça en montrant que oui, vous pouvez faire ça et vous ne devriez pas en avoir peur. Alors, une autre question. Oui. Est-ce que vous avez des plans pour incorporer HDSI1 dans la plateforme? Oui et non. On a des idées et des idées comment on pourrait le faire. Mais HDSDI et tout le protocole SDI est beaucoup plus difficile à utiliser pour le consommateur. Et on veut réduire les coûts de cette chose aussi bas que possible. Et HDMI, c'est de l'électronique consommateur, vous en avez partout. Vous en avez sur des Raspberry Pi à $5. HDMI, c'est probablement une très bonne solution pour ça. On n'a jamais fait de cœur SDI et je ne peux pas vous dire comment ça marcherait. Mais si quelqu'un est intéressé, à nouveau, n'hésitez pas. On adorerait que des gens travaillent là-dessus. Une autre question sur Internet, 2 minutes. Okay, merci. Alors, la question n'est pas à propos de HDMI, mais de FPGA. Alors, FPGA sont programmés sur un langage de haut niveau qu'on doit compiler, en fait. Donc, tous les vendeurs ont fait leur propre programme. Donc, est-ce que vous savez s'il y a des logiciels open source pour ça? Alors, oui. Si quelqu'un connaît en FPGA, vous savez qu'ils utilisent des compilateurs propriétaires et les compilateurs propriétaires sont horribles. Je suis un ingénieur logiciel. Si je trouve un bug dans GCC, je peux corriger le bug. J'ai ces capacités et je peux aller de l'avant. Ou au moins, je peux essayer de trouver comment le bug s'est produit. C'est pas le cas pour les compilateurs FPGA. Le compilateur FPGA qu'on utilise est pas déterministe. On peut lui donner le même code source et obtenir deux sorties différentes. J'aimerais bien que quelqu'un se penche sur pourquoi ça se passe. J'ai essayé d'enlever toutes les sources de bruit de ça et ça arrive toujours à ne pas être déterministe. Alors Clifford a fait une séquence d'outils pour les FPGA Lattice. Il a dit qu'il allait travailler sur l'Actrix 7. Merci de lui donner, lui faire des dons. Et si ça marche, je dois à ces gens des millions de bières parce que le moins j'aurai à utiliser c'est les chaînes d'outils propriétaires, le plus heureux je serai. Alors, applaudissez tous, Tim, s'il vous plaît.